ça c'est hyper, hyper pratique, il y a même un lave-vaisselle. Bon, moi j'en ai jamais utilisé, donc je vais tester le lave-vaisselle et si j'aime, quand je déménagerai, j'en prendrai un parce qu'à l'avant j'étais anti-lave-vaisselle. Mais c'est vrai que je déteste faire la vaisselle et maintenant que j'ai un bébé, j'ai encore plus la flemme. Donc go tester et je verrai si j'aime et j'en prendrai un quand je déménagerai, inchallah. Et les filles, il a pas menacé Jamal comme ça. Il me montre les messages, il me dit je me fais tout le temps. Il me dit je me fais tout le temps menacer par tes abonnés. Traite, tu seras comme une reine. Sinon, on vient t'attraper, MDR. J'espère que vous allez bien. Alors moi, j'ai trop bien dormi. Isaac, il a pas fait sa nuit par contre hier. Je crois que c'était le départ de mes parents. Donc du coup, il s'est réveillé, mais c'est pas grave. Il s'est réveillé à plusieurs reprises même. Là, les filles, on va faire ce matin, on va apprendre à faire des msimin avec Jamila. Du coup, je vais m'attacher les cheveux. Je vais mettre un foulard. Et comme ça, je vous partagerai la recette. Je vais essayer de me réveiller, de mettre un réveil chaque matin pour apprendre une recette différente avec Jamila. C'est parti les filles, donc là Jamila elle a déjà commencé à faire le harcha, c'est très très bon la harcha les filles, ça on fera cette recette demain, elle a commencé à faire des barrières et là on va faire les msemen les girls. Je suis avec Jamila, donc on va faire la première recette de msemen, elle est trop gentille. Donc les filles, j'ai parlé mi-français, mi-marocain, mais ne rigolez pas sur moi. Je sais, j'ai un accent éclaté, mais au moins je me fais comprendre. Donc allez, ndiro. Alors là, les filles, on va commencer par la semoule. Ndiro kulchi. La première fois, je fais de msemen. Ça va. Alors, ensuite, on va mettre la farine. Halaka. Kulchi. Allez. Et là, les filles, on va mettre du sel. Mlaha. Chouïa. Chouïa. Aka. Zépi. Chouïa, chouïa. Ça va. Ça va. Un trou comme ça. Là, on a mis de l'eau. Et là. Rabid douhi. Comme ça. Comme ça. Ah, ok. Haka? Oui, Haka? Oui. Haka? Hey, dek, hey, dek. Ah, ah, ça fait de la haine. Hop. Bravo. Là, vous allez venir
Bon, allez, c'est comme ça, la pâte. Elle a dit que pour l'instant, je fais bien. Et je suis choquée parce qu'il faut vraiment peu d'ingrédients. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'ingrédients que de la semoule fino, de la farine, de l'eau et du sel. Et tu obtiens ça. Et après, tu obtiens des baumes stamines. Et ça, Jamal, il aime trop. Vraiment, c'est quelque chose qu'au petit déjeuner, il raffole. Donc, comme ça, je vais essayer de le faire. Et je pourrais lui faire mes premières semaines. Bon, après, regardez, là, elle a beaucoup plus la main que moi. Mais c'est pas grave. Chaque jour, je vais apprendre jusqu'à que j'aurai bien la main. Allez, on a laissé reposer la pâte. Donc là, vous avez des petites boules comme ça. Donc, en fait, on va faire des petites boules comme ça. Donc, elle m'a montré, j'ai mis là, je me dis. Encore des petits, des petits, comme ça. Ouais. Ça fait d'accord. Voilà. Et on va prendre ça pour faire du coup le mstemi. Donc on fait des petites boules comme ça. Là, on vient l'aplatir comme ça. Elle fait la première, je fais la deuxième. Comme ça, vous voyez la vraie technique. Ah, donc, moi, je vous montre, voilà, parce que moi, je suis pas une pro. Vous voyez, elle vient bien l'étaler comme ça. Un peu de l'huile d'olive et on rajoute un peu de saumon fino. C'est comme ça. Et voilà, et on vient rabattre comme ça les filles. Ça fait. Allez, à mon tour. Donc, Hera, Raka, je viens étaler les filles. Comme ça, je suis à le saumon fino. Encore, allez, ça fait ça. Et là, Raka, on le rabattre comme ça. Heda. Allez. Chakran. À mon tour, Eka. Eka, bien. Bravo, bravo.
C'est parti, match de foot contre Salah vs NS contre Jabel. Là, si je gagne, enfin, Paris, si je gagne, ils sont à mon service pendant 3 jours. Et vous, si vous perdez, vous êtes au service de Jamel. Et si Jamel y perd, il est à votre service pendant 3 jours. On va en 10, hein. Vas-y. Mais Scott, t'as avec lui ? Ah, mais. Ah, Jamel ! Par des petits 10 ans ! Les garçons, je pense que vous allez être à son service. 1-0. C'est parti. Je pense qu'Isaac il a deviné qu'il va aller dans l'eau et qu'il va aller nager. Il aime trop la piscine. Donc, go avec ses tontons, ses tatas, sa mamie, son papy, ses cousins, ses cousines. Dans l'eau. Allez. C'est ton bébé, retour à l'enfance quand tu joues à la poupée. C'est ta poupée chère, c'est ta chair, ce que t'as de plus cher. Un prix inestimable aux enchères. Tu passes même devant son père aussi qu'on. Et par cette merveilleuse aventure, car après tout ça, projet sûr.